Salut tout le monde. Ouais alors ces temps-ci j'ai grave la flemme de faire des vidéos. Mais là j'ai pas le choix parce que ce week-end j'avais quand même trouvé une bière que j'ai pas testée. Et le problème dès que je voulais acheter deux packs du coup. Le problème c'est que bah là il m'en doit me rester deux. Donc je vais quand même faire la vidéo avant qu'il y en ait plus, ce serait vachement con. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la Kellyghan sans alcool, qui contient moins de 1 degré d'alcool, qui a un design très sobre, un peu moche en fait. Le bleu il est joli, mais le doré, l'Eco Plus, il passe pas trop là. Alors, distribué par Casino. Je précise, un cours Antoine Guichard, no fake à Saint-Étienne. 42 008. Ah, c'est parce que. Voilà, Guichard. Bon, c'est marrant. Bref. Santé. Ah. Ah, elle est bien fraîche là, je viens de rentrer du boulot. Parfait. Ouais, bah en gros, ce qui est bien avec cette bière. Alors. Pour en avoir bu tout le week-end, il y a les avantages et les désavantages. À servir frais parce que tiède, elle est vraiment dégueulasse. Hein, elle est vraiment immonde. Et je sais pas, c'est un peu un goût. Alors le goût pourrait s'apparenter à celui de. Un peu à celui de la Leffe. Du coup, c'est sympa, ça donne une bière sans alcool de caractère quand même. Précisons-le. Après, c'est éphémère, hein, faut la boire vite parce que sinon, plus de goût. C'est dégueulasse. En gros, ça fait le taf parce que ça désaltère bien. Là, c'est, là, je passe un très bon moment. C'est parfait. Ouais, je me suis quand même racheté des packs de Météor parce que bon, c'est bien beau de tester des bières sans alcool différentes, mais. Voilà, des fois on fait des mauvaises surprises. Donc bon bah. Moi en temps normal je préfère boire des bonnes valeurs sûres. S'il y avait du picon sans alcool, j'en achèterais. Allez. Bonne fin d'après-midi ensoleillée. Et bonne soirée.